Viendra un moment où l'Afrique se développera de manière considérable. C'est inévitable quand on fait la liste des potentiels naturels, potentiels humains. Dans cette perspective, les sciences accompagneront de manière importante, je l'espère, ce développement. I strongly believe Africa is the world's greatest untapped pool of scientific and technical potential. Partly because there are 900 million people here, even more important because there are thousands of cultures and languages and different kinds of people. And the entry of each one of them is going to, I believe, bring a new energy, creativity, ideas into science itself. Et comment faire pour développer le continent? Ça peut se faire ou se reposer que sur un seul facteur, la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on exige des jeunes? C'est leur capacité musculaire et leur capacité cérébrale. Et nous avons dit, essayons donc de miser sur la capacité cérébrale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Leur trouver des endroits où ils peuvent avoir une formation de très haut niveau, leur permettant de contribuer au développement de leur pays et au développement du continent. Pourquoi pas au développement du monde entier? C'est pourquoi on l'a appelé Next Ancient Initiative. If you want to focus on developing the human mind, there is no more cost-effective investment you can make than investing in mathematics. Comment mettre en œuvre une politique de développement soutenable, viable? Sans le concours des sciences mathématiques, je ne trouve pas cela possible. Donc pour moi, les sciences mathématiques sont la colonne vertébrale de tout ce qui peut informer un développement durable en Afrique. Ce continent a besoin, pour traiter les données qui sont associées à son développement demain, des sciences mathématiques et de leurs applications. Le mouvement des vagues dans l'océan, la propagation des rayons de lumière, le vent, les déplacements d'air, la météorologie, tous ces phénomènes que nous voyons autour de nous sont régis par des équations mathématiques. Les équations mathématiques nous permettent de les comprendre, de les décrire, mais aussi de les prédire ou de les reproduire. Que ce soit sur des prédictions météorologiques ou dans des effets spéciaux au cinéma. Dans le projet AIMS, il y a la notion de rencontre, la notion d'un endroit où on se sent bien pour se rencontrer. Il y a la notion aussi de construire un réseau d'intelligence en Afrique, aider les gens là où ils ont besoin qu'on les aide. Le continent africain subit depuis de très nombreuses décennies un brain drain qui aujourd'hui affaiblit ce continent dans son développement. Et je crois que M Sénégal doit être soutenu et ça correspond vraiment à l'éthique de partenariat et aux engagements de l'Institut de recherche pour le développement. Être ici, au Sud, avec le Sud et pour le Sud, dans l'intérêt du développement de ce pays. Oui, l'objectif concret de AIM, c'est de former des citoyens capables de contributions novatrices au développement de leur continent. You will have thousands now of trained computer scientists, engineers, modelers, economists, mathematical economists, feeding into African governments and business and industry and NGOs. This will be completely transformative and the cost is negligible. They leave countries which have all kinds of problems, economic problems, social problems, political problems, and they feel marginalized in the world. They come to AIMS, suddenly they're in a group of students from the whole continent who have all kinds of languages and culture to share with them. That's very exciting. It gives them a new pride in being Africa, to be part of this group. And secondly, because of the interest of the international academic community in Africa, the best lecturers are willing to come to Africa to teach. So it is easier to recruit the very top lecturer in some scientific field to come to a center in Africa than it would to get them to go to Princeton or Harvard or Cambridge. Why? Because they know they will have a much more interesting experience. C'est l'interactivité. L'interactivité, donc dans le cours, je discute avec les étudiants, je donne des exemples, ils peuvent poser automatiquement des questions et proposer des exemples. C'est un cours très interactif où l'étudiant peut intervenir à tout moment. Doing both mathematics, physics and applications at the same time in a year
something I had never in my own education. We had the chance to design the most appropriate curriculum for the modern day. Because the funny thing is that the existing universities do not do this. By and large, they are replicating the curriculum relevant for 50 years ago. Institutions like AIM Senegal try to develop a bilingual policy, which I think is a great advantage, but it is also a challenge, and it's a new challenge. Le mandat de AIMS, comme vous le savez, ce n'est pas seulement de former des étudiants pour sortir des diplômés. Ce n'est pas seulement d'augmenter le nombre de diplômés, mais au-delà, c'est de se préoccuper de ce que devient l'étudiant après AIMS, donc des retombées de l'enseignement reçu ici à AIMS. And I think very quickly, much quicker than we expected, the AIMS alumni achieved success in very high-level science, in modeling HIV/AIDS, in working at the Large Hadron Collider in CERN, in doing superstring theory, or financial mathematics in the City of London. There is apparently no barrier. Just 3 decades ago, no one expected China to become a superpower. And things can change quickly. It's all about making the right choices, the right decisions, the right investments. AIMS m'a permis d'être en contact avec les grands de ce monde, les savants, les scientifiques. À AIMS ici, c'est le carrefour d'échanges culturels, éducatifs, économiques. So the curriculum we came up with at AIMS is truly unique. It involves skills. So we focus on first on those skills which are common to all the sciences. Quantitative skills, computing, modeling, understanding, making sense of things, asking questions. And then we focus on reviews, sort of where is the state of the art across a wide range of sciences today to allow the students to choose a direction. And thirdly, they do an essay or project which involves them getting involved in some hopefully real research. We have smaller bodies of students, selected, diverse, and there is also a complete freedom in teaching that you don't have really in a university. We can really choose which subject to do, and we can teach interdisciplinary subjects like graph theory without the constraint you would have in a normal university. Les cours se passent très bien à AIMS. Avec les professeurs, on a l'occasion d'interagir avec eux durant le cours, de poser le maximum de questions qu'on a, et les professeurs au final, nous contaminent leur amour pour les mathématiques. Des Africains, par exemple, le professeur Wanyaga de Pennsylvanie, ça m'a vraiment touché de voir vraiment un homme noir, vous comprenez, quelqu'un qui est né en Afrique,
qui a fait ses études secondaires en Afrique et qui a pu vraiment faire des choses, beaucoup de contributions à maths. Hein? Ça va montrer que vraiment l'histoire là, donc la science n'est pas un truc de race, de blancs ou d'Européens occidentaux africains. C'est quelque chose vraiment de purement humain. Many students have asked me, how did I get those very good lecturers to come to Ames in South Africa? And my answer was, it is the students who make it happen. Because they are keen and they want to work. And so the very top researchers find this very stimulating to have such students among them. On a aussi des tuteurs répétitions. Donc, lorsqu'on ne comprend pas certains points du cours, les tuteurs sont chargés de nous faire des répétitions après le cours pour accentuer davantage tout ce que le professeur a eu à dire durant son temps. Pendant les week-ends, nous avons très généralement nos assignments, nos travaux à domicile, qu'on s'organise en groupe pour discuter ensemble, trouver des solutions ensemble et les rédiger pour les remettre à nos tuteurs. On les voit comme nos amis, comme nos camarades entre griffes. Les tuteurs, on en a des Africains, ceux qui nous viennent du Canada, de l'Allemagne, de partout. À Ames, on est des scientifiques. The MCC gives you the opportunity, firstly, to interact with world-class lecturers. You have a choice between a lot of subjects. I choose my favorite field is number theory. I'm working with Professor Florian Loca from University of Mexico. Now my essay is near. We are near to the end. We have students, tutors, and lecturers coming from different nationalities all over the world. And they work together, they live together, they play sport together, they do everything together at Ames. On est logé, on est nourri, nous avons une couverture santé et une bourse chaque fin de mois. À Ames, je vous l'ai dit, vraiment, on s'amuse. Il est vrai que ces moments-là ne s'offrent pas tous les jours. Mais par exemple, mercredi, nous avons un après-midi fantastique. On joue au volley et là, vraiment, on s'éclate. Et comme l'Institut est juste tout près de l'océan, vous comprenez, des fois quand il fait chaud, là, on se jette dans l'océan, on nage, on s'amuse. Nous avons aussi le tennis de table. Oh, wow. C'est époustouflant. To Ames, I feel like I'm at home. People and my brothers and sisters and family, just Ames is like family for me. Ici, on apprend à vivre en communauté, en solidarité. Donc, c'est la renaissance de l'unité africaine. À Ames, j'ai mieux compris ce qu'on fait et je pourrais mieux le transmettre. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est plutôt académique. Former mes jeunes frères dans le volet académique. Donc, je saurais mieux leur transmettre la connaissance et leur donner l'amour pour la science. Life is about loving and understanding, and you will have both at Ames. Ames est réellement l'idéal pour faire vos premiers pas dans la recherche de niveau international. Venez à Ames, vous allez bien vous former, avoir une carrière scientifique assurée, et ensemble nous allons participer au développement de l'Afrique.